Avec cette destination balnéaire à vous proposer ce matin sur la côte de la ville de Cherchell. Elle est gérée par un jeune qui a obtenu une licence d'exploitation de la direction du tourisme, une plage privée où on s'y baigne, on mange sainement et on est bien accueilli. L'endroit idéal pour les estivants de passer un agréable moment en famille ou entre amis. Voyez ce reportage de Yanis Aït Belkacem. Sur la côte de la wilaya de Tipaza, une plage privée a retrouvé sa splendeur grâce à la vision et à l'initiative de ce jeune investisseur. Cela fait 20 ans que je suis dans le secteur du tourisme et depuis que j'ai eu l'opportunité d'investir ici, je l'ai fait. C'est la chose la plus importante pour moi et c'est un rêve que je réalise. Après avoir obtenu une licence d'exploitation de la direction du tourisme, ce dernier a transformé ce joyau naturel en un lieu de détente. C'est la première fois que je viens ici et je suis content et satisfait. Tout est organisé. Cette plage est magnifique. Tout est bien agencé. Les espaces entre les parasols sont corrects. Les services proposés incluent le parking, des restaurants, des installations sanitaires, ainsi que des dispositifs de sécurité, notamment grâce à la protection civile. Nous sommes 30 agents saisonniers de la protection civile. Nous faisons tout notre possible pour assurer cette saison estivale. Son projet ambitieux a non seulement embelli la plage, mais a aussi créé des opportunités d'emploi bénéficiant du soutien de l'État. Nous avons bénéficié de l'aide des autorités concernées, à savoir l'électricité et les sanitaires. Le seul problème que nous avons, c'est que le parking n'est pas suffisant. Nous aimerions qu'il nous cède un peu plus d'espace. Nous sommes 18 saisonniers à travailler ici, à la plage de Gounini, de Hadjarat Annas. Comme vous le savez, l'an dernier, cette plage n'était pas aussi équipée. Cette année, tout y est grâce à cet investissement. La plage est répartie en trois espaces. Le premier espace familial, un deuxième pour les jeunes et le troisième est réservé à ceux qui veulent installer leur propre parasol. Ces nouvelles mesures assureront sécurité, confort et tranquillité, permettant aux estivants de redécouvrir leur pays dans des conditions optimales. La côte devient ainsi un lieu de rencontre et de partage où chacun peut pleinement profiter de sa beauté et de ses richesses.